Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis trop contente de vous retrouver. Comment ça va tout le monde? Hello, coucou Christine. Hello, ma petite Fafa. Bonjour Marie-Christine. Comment allez-vous toutes et tous? J'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour notre live créatif de la semaine. On va réaliser une jolie couronne de Noël. Vous allez voir à quel point c'est facile. Et peut-être même que vous pourrez l'envisager avec vos enfants, petits-enfants, neveux et nièces et que sais-je encore. Bonjour Martine, coucou ma petite Eliane, coucou Viviane. Vous allez voir, c'est super simple. Et vous verrez que je vais vous donner une petite astuce pour pouvoir réaliser eh bien, ces couronnes dans différentes dimensions le plus simplement du monde. Vous verrez, ça va être trop cool. Hello ma petite Mimi, comment vas-tu après ce live de ce matin où t'as tout déchiré? Bonjour Nadine, comment ça va? Alors, on va laisser 2-3 secondes à tout le monde le temps d'arriver. Bonjour Sandrine, bienvenue, bienvenue. N'hésitez pas à partager, vous le savez, comme chaque semaine, la vidéo pour pouvoir permettre eh bien, à tout le monde d'être notifié, puisque tout le monde ne reçoit pas les notifications. J'ai plus de 2700 abonnés sur ma page et bah, tout le monde ne reçoit pas les notifications. Donc, voilà, j'ai besoin de vous pour que vous puissiez les avertir toutes et tous. Coucou Cécilia, bonjour ma petite Annelise, coucou Claudine. Oh, Annelise, il faut que je t'envoie un message. J'étais débordée, pardon. Je t'envoie un message tout à l'heure. Coucou Christelle. Bon, ça y est, je vois que vous avez l'air d'arriver. Donc allez-y, hein, partagez s'il vous plaît pour que tout le monde puisse nous rejoindre comme d'habitude. Alors je vérifie, oui ça a l'air de fonctionner, c'est parfait. Donc je vous disais aujourd'hui, après mes bêtises de la semaine dernière, nous allons réaliser aujourd'hui une couronne de Noël ou autre chose, hein, si vous voulez en faire autre chose, bien sûr c'est totalement libre. Mais c'est vrai que on commence maintenant à rentrer sérieusement dans le vif du sujet et de la préparation des fêtes. Donc voilà un projet qui peut être sympathique à faire pour vous ou comme je vous disais, même avec des enfants. Bonjour ma petite Rachel, coucou Marie-France. Merci beaucoup ma petite Claudine pour le partage, c'est adorable. Merci pour celles et ceux qui ne sont pas notifiés. J'espère qu'ils vont pouvoir nous rejoindre rapidement. Coucou ma petite Sandrine, comment ça va? Quelle bêtise! Bon, si, si, j'ai fait plein de bêtises la semaine dernière. Ça, c'est vrai. J'avoue que j'ai fait plein de bêtises. J'en ai dit aussi pas mal. Coucou Maryse, comment vas-tu? Je suis contente que tu sois là. Hello ma petite Mumu. Alors juste avant de commencer, je vous rappelle que en ce moment il y a les fins de série. Donc si vous êtes déjà cliente auprès de moi, je vous ai envoyé un mail avec un fichier qui vous récapitule eh bien, les produits encore disponibles au moment où je vous l'ai envoyé, ceux qui sont concernés par eh bien, les réductions du moment. Parce que oui, le catalogue, le mini-catalogue va prendre fin. Bon, fin décembre, hein, donc il y a encore plein, 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 plein de choses dedans. N'hésitez pas à en profiter. Par contre, les stocks se réduisent comme peau de chagrin. Alors ne traînez pas si vous avez encore des besoins de papier à motif, notamment. Ils sont presque, je dis bien presque tous disponibles. Donc voilà, si vous avez encore des projets créatifs à réaliser pour les fêtes, ne tardez pas avant de passer votre commande. Et n'oubliez pas que je vous offre tout le mois de novembre, dès 80 € d'achat, le tutoriel complet de mon calendrier de l'Avent 2023. C'est encore possible, vous avez encore le temps de le réaliser. Donc je vous offre la fiche technique et la vidéo pas à pas. Donc ça, c'est tout le mois de novembre. Alors, bon, est-ce que vous allez bien cette semaine? Ah, petite confidence.
ça. J'ai acheté ma première boîte d'escargots. Il en reste pas beaucoup, je vous l'accorde. Allez, hop, je vais changer de caméra et on va pouvoir démarrer tout de suite. Donc j'ai commencé certains pliages pour vous faire gagner du temps, mais vous allez voir que de toute façon, je vais vous en montrer deux, plus le montage. Et vous allez voir, c'est super, super, super facile à faire. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts? Je ne sais pas si les rares messieurs qui nous suivent sont présents. T'as terminé la tienne. T'as fini ta boîte de chocolat. Oh la gourmande. Les petites gourmandes, ça me rassure, il n'y a pas que moi. Toc. Alors, voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Alors, cette couronne, elle est quand même assez grande, hein, vous voyez. Là, mes mesures sont en centimètres. Ici, on a 19 centimètres, donc vous voyez. T'es une chippie, Marie-France. Mais t'as tellement raison. voilà, vous avez, vous voyez, par rapport à ma main, elle est super grande. Donc ça, c'est réalisé avec deux feuilles, deux ou quatre, deux feuilles, pardon, deux feuilles de papier au format 30-30. Et aujourd'hui, pour plus de praticité avec la vidéo, je vais faire un format inférieur. Mais vous allez voir que de toute façon, les mesures, bah, ça revient au même en fait. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, on y va. Je vous avais demandé de préparer les papiers, mais si ce n'est pas le cas, vous le savez, pas d'inquiétude. Vous pourrez trouver sur mon site eh bien, la fiche technique. Vous aurez le replay vidéo après, donc pas de souci. J'ai aussi acheté ma première boîte d'escargots, mais surprise des quantités et des goûts. Il me semble qu'il y en avait plus et plus gourmandes. Et ils font aussi des goûts différents maintenant. Il y en a plein. Il y a aux amandes, il y a aux fruits, il y a. Pff, non, moi les laits, ça me va très bien. Très très bien. Alors. Pour le principe en fait de cette couronne, vous allez voir à quel point c'est facile. L'idée, c'est d'avoir 8 rectangles dont la largeur est la moitié de la longueur. Partant de là, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous amuser à faire toutes les dimensions possibles. Je répète, un rectangle dont la largeur doit faire la moitié de la longueur. C'est pas compliqué, vous voyez. Ça vous laisse un grand nombre de possibilités. Pourquoi pas vous amuser à faire comme des poupées russes en divisant les mesures, voilà, mais vous pouvez vous éclater. Les rectangles doivent tous faire eh bien, la même dimension. Les 8 doivent faire la même dimension. Hello, hello Chantal, comment ça va? C'est un ours de maths. Un ours de maths, qu'est-ce qu'elle me raconte, Mumu? Salut tonton, comment ça va? Un ours de maths, Mumu? Dis donc, qu'est-ce que t'as mangé ce midi? Un ogre? Allez, aujourd'hui, donc là, j'ai utilisé la collection Saint-Nicolas, qui est trop belle, hein. Elle a des motifs, elle est disponible sur la boutique en ligne. Les motifs sont absolument incroyable, magnifique, j'adore. Et ici, mais non, c'est pas un cours de maths, tu vas voir. Je déteste les maths. Ici, donc, c'est du papier doré qui est autocollant, donc pas besoin de s'embêter avec la colle et tout ça. Ça, j'adore ça. Et puis évidemment, notre alphabet ici qui est incroyable. Et Mumu, elle me répond, j'ai mangé lentilles saucisses. J'adore. Ok, donc aujourd'hui je vais travailler avec la collection Balade au jardin, puisque il y a des motifs aussi pour Noël. Elle est dans le mini-catalogue de Noël. Et du coup, et ben je me suis dit, tiens, on va utiliser celle-ci aujourd'hui, vous allez voir. Donc du format 15-15, vous voyez. Donc ma couronne va être beaucoup plus petite. Mais c'est ça qui est marrant, c'est que du coup, on peut vraiment s'adapter, à faire, s'amuser à faire plein de dimensions différentes. Donc,
J'ai pris 4 feuilles 15-15 que j'ai découpées en deux. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Hein, ça fait Noël, on est d'accord? Ça va être chouette, hein? Et du coup, comme il y a beaucoup de feuilles dedans, je vais pouvoir faire un côté fleuri et un côté non fleuri. Et que le pan-pan-pan, c'est juste ah, trop beau, j'adore. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ici, la longueur de mon papier fait 15,2 et la largeur, la moitié, donc à peu près 7,6. Est-ce que vous comprenez? 15,2 et la moitié, donc 7,6. Et pour faire cette couronne, vous avez donc besoin de 8 morceaux, de 8 rectangles dans ce principe-là, d'une largeur qui est la moitié de la longueur. Et voilà, il vous faut uniquement ça. Alors, le coupe-papier n'est pas obligatoire, les ciseaux non plus. Voilà, il va vous falloir surtout un outil indispensable, le plioir en os, pour pouvoir correctement marquer tous les plis, parce qu'on va quand même plier à plusieurs endroits nos fameux rectangles. Donc plus vous allez casser les fibres du papier au niveau des plis, et plus ce sera facile à travailler et à faire maintenir. Peut-être que vous avez des coupures de réseau, je suis désolée, je ne peux absolument rien faire. Essayez peut-être de passer sur YouTube. Alors, coucou Isabelle, comment vas-tu? C'est chouette de te voir ici. Je continue à compter sur tout le monde pour pouvoir partager. Vous voyez, il y a des gens qui arrivent au fur et à mesure parce qu'ils ne sont pas notifiés par Facebook, même s'ils sont abonnés à ma page. Donc voilà, allez-y. Partager, partager. Alors, on va démarrer. Donc, j'ai déjà commencé à faire mes autres morceaux, mais je vais vous montrer sur deux morceaux. Vous allez voir, de toute façon, c'est exactement la même chose à chaque fois. Vous êtes prêtes? On y va. Je vais prendre mon rectangle et je vais venir le plier en deux au niveau de la longueur. Donc, hop, vous pouvez prendre le coupe-papier si vous préférez. C'est tout à fait possible, mais on peut y aller à la main comme ça. Voilà. Hop, voilà. Donc je le plie une première fois en deux. Toc, tout simplement. Et je passe bien mon plioir au niveau de mon pli. Vraiment, j'insiste pour pouvoir bien casser les fibres du papier. Voilà. Oui, je suis vraiment désolée s'il y a des coupures. Vraiment, là, j'ai pas de solution du tout. Vous savez que ça, c'est le genre de problème que je ne peux pas régler. J'espère que vous allez quand même réussir à suivre. Donc là, j'ai mon rectangle qui est plié en deux, vous voyez, tout simplement. Alors, pour la suite, nous allons rabattre ces deux coins ici, faire le bas. D'accord? Alors, attention à bien faire en sorte que l'ouverture de votre papier soit sur le haut. D'accord? On veut que ces deux pointes ici redescendent ici en respectant l'alignement. D'accord? Donc, mon ouverture est bien en haut. D'accord? Et du coup, je respecte, je fais attention à ma pointe ici et j'aligne. Je vais essayer de me décaler un petit peu mes gros doigts. Je fais attention à ma pointe, qu'elle soit jolie, et je m'aligne ici en bas avec les deux morceaux de papier. Donc je crée un triangle en fait de chaque côté de ce papier. Vous voyez déjà dans un premier temps, j'ai mon ouverture ici, ma pointe, et je rabats ici. Je fais pareil avec ma pointe gauche que je rabats ici de ce côté-là. Alors, je vais le tourner parce que du coup, je suis droitière. Hop, hop, hop. Voilà, on aligne bien, bien, bien au niveau du, de la ligne du bas. Pardon.
Voilà. Alors, voilà ce que vous devez obtenir. Vous avez votre ouverture ici sur le haut et les pointes rabattues à gauche et à droite vers le bas, ici. C'est OK? Ça vous paraît clair pour l'instant? Maintenant, donc j'ai mes petits bouts ici, je les laisse de mon côté et je viens plier en deux et faire se rejoindre les deux pointes. Ça ressemble un petit peu à un chausson de bébé. Ça vous parle? Tac, donc on aligne. On aligne les pointes, on essaye de bien tout aligner. Toc, et on vient correctement marquer le pli. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté sur l'utilisation du plioir ici. Voilà. Hop. Et du coup, voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, vous avez les deux pointes comme ça. Et du coup, on a sur le dessus, dans le bon sens, harmonie, hop, bougez pas, faut que j'arrive à vider. Allez, sois gentil, voilà, pour que ce soit un petit peu plus visible pour vous, hop, donc on a les ouvertures ici. Est-ce que vous êtes là? Dites-moi, oui, je sais. Alors, je vais être complètement transparente avec vous. C'est vrai que je suis un petit peu moins gaie que la semaine dernière. Mais la semaine passée a été assez compliquée. Et du coup, eh ben, il faut essayer de digérer. Mais je suis quand même très heureuse d'être avec vous. Et je vous avoue que ça me fait aussi du bien de vous retrouver. Alors n'hésitez pas à me faire des petits coucou, à me dire que vous êtes là, que je ne vous perds pas en route et que vous arrivez à suivre, que les explications sont claires. Voilà, en gros j'ai besoin de vous aujourd'hui. Allez, je mets ça de côté et du coup bah, je fais la même chose. On fait ça sur les 8 morceaux, les 8 rectangles dont je vous rappelle, la largeur fait la moitié de la longueur. Donc même principe à chaque fois. Toc, on vient plier en deux notre rectangle. Merci Cécilia. Hop, on marque bien nos plis. Merci. Ça me rassure. Donc, mon rectangle est plié. Voilà. Et voilà, on rabat. On fait des petites pointes ici. Et on fait ça donc vraiment sur nos 8 rectangle. Merci ma petite Marie-France. Vous êtes trop mignonne. Hop. Non, puis c'est vrai, c'est frustrant là d'avoir autant d'abonnés sur une page et que il y ait si peu de monde. C'est vrai quoi. Hop là. Là, vraiment, vraiment. Oui, les pointes, tu m'étonnes. Vraiment, le plioir en os, là, il va être votre grand, grand soutien, votre grand allié pour ces étapes de pliage. Donc là, effectivement, plus c'est petit, plus c'est minutieux. Si vous avez des grands formats, ça sera... plus simple. Hop, et du coup, je plie, je transforme en petit chausson. Voilà. Ma petite fofa. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi le replay, t'as raison, Cécilia.
En même temps, on compte pour 10. Alors ça, comme je suis d'accord, ma petite Marie-France. Tellement d'accord. Petite question, quand on plie, l'ouverture reste vers le bas. L'ouverture, elle est comme ça. On a les pointes là, toc, comme ça, et l'ouverture, elle est en haut, ici. Ça t'aide, Marie-Christine? Est-ce que c'est plus clair pour toi? C'est bon? Le replay, c'est pas pareil. Bah oui, c'est sûr que le replay, je suis pas avec vous, alors je peux pas interagir avec les personnes qui regardent en replay. C'est autre chose, quoi. C'est autre chose. Alors, bon, vous voyez, je vous avais dit, hein, j'ai préparé les autres pour vous faire gagner du temps, parce que mine de rien, il faut du temps de prendre les plis, de bien faire les pointes. Et si on veut faire quelque chose de joli, il faut prendre son temps. C'est facile, mais il faut prendre son temps, tout simplement. Alors, si on compte au poids, je compte pour une tonne. Non, mais ça va pas. Est-ce que t'as fini? Est-ce que t'as fini de dire des bêtises, s'il te plaît? Non, mais. Alors, attention, on va démarrer l'assemblage de tous nos petits morceaux de papier. C'est gentil, Chantal. Mais oui, en fait, je suis exactement comme vous toutes, j'imagine. On a des périodes où on est plus ou moins fatigué, où c'est plus ou moins facile. Mais l'essentiel, c'est de toujours. Je partage. J'essaye, si j'oublie pas et que le timing se fait bien. Je vous donne un petit secret. Le vendredi, depuis des années maintenant, mais très longtemps, vraiment. Le vendredi soir, c'est le soir où on se retrouve avec les enfants. Il y en a qui rentrent, il y en a qui reviennent, enfin bon. Et du coup, on fait un petit apéro tranquille. Et à tous ceux qui sont là, je demande, même s'il y a des copains des enfants, quel a été le petit bonheur de votre semaine? Et ça, depuis quelque temps, je me suis mise à poser la question au Stamp Lover, aux membres de mon équipe aussi, le vendredi soir. Parce que, en fait, on considère que même si une semaine est totalement pourrie, forcément, il y a un moment, un jour, un instant, une minute où on a eu quelque chose de positif. Un petit rayon de soleil, le sourire d'un enfant, le sourire d'une personne qu'on a croisée, un petit chocolat qu'on s'est accordé parce qu'on avait envie d'une pause. Voilà, un tout, mais ne serait-ce qu'un tout petit truc, le petit coin de ciel bleu. Et ça, je me souviens, c'est ma grand-mère qui me disait ça. Il y a toujours un petit coin de ciel bleu en montrant le ciel. Et c'est vrai. Donc tous les vendredis soirs, la question, c'est quel a été votre petit bonheur de la semaine? Et j'aime beaucoup partager ça. Voilà, c'était la petite anecdote du jour. Alors, je vous invite à prendre vos deux morceaux de papier, par exemple. Enfin, c'est non, c'est pas par exemple d'ailleurs. Vous allez prendre deux morceaux. Toujours les ouvertures vers le haut. Alors, l'idée, je vais essayer de rapprocher, c'est d'insérer ces deux pointes-là dans les ouvertures ici. Vous voyez? De les emboîter pour les assembler. Est-ce que vous voyez bien? Merci Christine. Oui, mes enfants sont habitués maintenant. Et du coup, quand ils ont des copains qui sont là le vendredi soir, ils disent, ah, tu vas y avoir droit aussi. Et oui, je demande à tous les gens qui sont là, les enfants, le chéri, tout le monde. C'est la question rituelle pour que, voilà, eux aussi se rendent compte que même si on n'a pas une super, on n'a pas eu une super, super semaine, mais parfois on peut aussi en avoir plein des petits bonheurs de la semaine. Et ça, c'est chouette. Alors, regardez bien, est-ce que ça vous voyez bien? Donc les deux pointes de celui-ci s'insèrent dans les ouvertures du second. Et du coup, toc, on fait rentrer tout ça. Hey, coucou Sabrina, comment ça va? La petite astuce pour que ça tienne bien,
Alors là, potentiellement, une fois qu'elles sont toutes encore emboîtées, eh bien, comment dirais-je, ça peut tenir. D'ailleurs, pour être très honnête, ici, je n'ai pas mis de colle. D'accord? Coucou ma petite Béatrice, ça me fait plaisir. Oui, t'as raison. Sabrina, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, tout va bien. Je suis là en train de monter tranquillement. Donc l'idée, pour que vraiment ça tienne encore mieux, c'est de mettre deux petits points de colle à l'intérieur. D'accord? Donc, je vais le ressortir. Et je vais faire glisser un petit point de colle. Voilà. Là où va rentrer. Où vont rentrer, pardon, mes petites pointes. Alors, l'idée, c'est de faire attention à ce que ça colle pas tout de suite. Vous la voyez la houblette là? Non, c'est bon. Voilà, on fait en sorte que ça se colle pas ensemble parce que on veut rentrer les pointes. Toc. Et maintenant que j'ai mis la colle, voilà. Hop. On fait se diriger les pointes par là. Ok? Et on continue. Alors là, comme j'ai deux papiers, ben on alterne, hein, tout simplement. Hop, voilà. On continue à les faire rentrer les unes dans les autres, les unes à la suite des autres, vous voyez? Hop, je vous avais dit que c'était super facile, hein. Et que du coup, ça peut même être fait avec des enfants. D'ailleurs, je me souviens, il y a la maîtresse de mes enfants, la maîtresse de CM2, qui vient aussi régulièrement faire des ateliers à la maison. Eh bien, elle avait proposé ceci à faire à sa classe. Ils avaient fait des trucs super jolis. Et on continue à emboîter. L'idée, c'est de toujours avoir la pointe sur la gauche et l'ouverture sur le dessus. Alors, le truc auquel je pense, c'est que je suis droitière. Donc, il est possible que pour d'autres, ça puisse être dans l'autre sens. Adaptez-vous selon votre dextérité. Toc, et là, on y va tranquille pour pas démonter le tout. Alors là, il faut que je chope. Voilà, là. Coucou Marilyn, comment ça va? Bonjour Sylvie, je suis contente de vous accueillir pour ce live. On est en train de réaliser une couronne de Noël et là, j'adore. Avec le pan-pan-pan, hop, on a la version modèle réduit divisé par deux. Vous avez bien raison, car je suis en bataille avec mon entourage. Ah, quand ça m'énerve très souvent. Mais quand je dis ça, quand je dis alors ça va, ça recentre un peu les gens qui m'entourent et là, ils comprennent assez vite mon message. Ouais, je comprends Martine. Et voilà, vous avez vu? C'est joli, hein? Et du coup, alors, hop, là, j'ai le modèle en dessous. Donc là, on considère en fait que celle-ci, elle est divisée par deux. Mais encore une fois, pour celles et ceux qui nous rejoignent que maintenant, sachez que le principe de cette couronne, quelle que soit la taille, il faut que la largeur du rectangle soit la moitié de la longueur. Et après, on plie et c'est tout simple, on emboîte les morceaux les uns dans les autres, tout simplement. Ce pan-pan-pan, il est incroyable, on a les touches de rouge qui ressortent. J'adore. Qu'est-ce que vous en pensez? T'es un amour, Isabelle, merci beaucoup. C'est très gentil.
Mais vous, mais je suis pas fait là pour vous faire déprimer, je suis là pour vous faire rigoler. Bon, ça vaut pas le Mary Poppins de la semaine dernière, je vous l'accorde. Hein? Et puis c'est pas non plus. Je suis pas mourante non plus, hein, donc tout va bien. Coucou ma petite Patricia, comment ça va? Je vais faire un petit trou en haut pour pouvoir eh bien, insérer un petit ruban parce que l'objectif éventuellement c'est de pouvoir accrocher cette fameuse couronne. Et puis, alors, j'ai préparé des étiquettes, mais je ne sais pas si je vais. Je me tâte. Non, ça fait trop gros. Non, ça me plaît pas. Voilà. Le papier suffit à lui-même, en fait. C'est ça aussi. C'est qu'avec Stampin' Up, on a des papiers tellement incroyables que du coup. Voilà. Parfois, ça sert à rien d'en mettre trop. Merci, Sabrina. Bah ouais, non, quoi, c'est vrai. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, elle tient super bien et je n'ai mis de la colle qu'à un seul endroit. Donc, comme quoi, ça va tout seul, hein. Je suis perdue, je n'ai pas regardé comment tu as commencé. Comment j'ai commencé? Alors, est-ce que tu me parles du rectangle, Marie-France, ou de l'emboîtement, dis-moi. Dis-moi, dis-moi. Ce que je vais faire. Voilà, si c'est l'emboîtement, je démonte la mienne. Si c'est pour le rectangle, je te remontre sans problème. Je prends un autre papier. Hop. Je vais prendre un autre papier. Je suis là, hein. J'attrape un autre papier au cas où. Hop. Je vais prendre celui-là. Celui de la. Presque de la boule de la semaine dernière. J'ai mon rectangle ici. Donc, la moitié de ça. Alors, l'emboîtement. Toc. Je vais en sortir deux. J'ai comme mes deux petits chaussons ici. J'ai l'ouverture sur le dessus, la pointe sur la gauche. Ils sont dans le même sens. Je les emboîte. Dans les ouvertures, une pointe par ouverture. Si je sépare comme ça, tu verras peut-être mieux. Une là, hop, et voilà. Et en fait, on continue au fur et à mesure, dans le même sens, même principe. Avec une bougie au milieu. Mais ouais, on n'est pas obligé de la suspendre, t'as raison. Effectivement. Alors, je suis dans quel sens? Là. Donc là, je reprends ma couronne. Donc, hop, j'emboîte. Toujours dans le même sens. Tac. Ça y est, c'est mieux, Marie-France? Chouette. Hop. Hop. Ça va tout seul. Une fois qu'on a chopé le truc, ça rentre tout seul. Et voilà. On ajuste et c'est parfait. Voilà, ça va tout seul. Allez, je vais faire le petit trou, mettre mon petit ruban. On peut ajouter si on veut une, comment dirais-je, une. Faut pas que je me trompe. Elle est vivante, ma couronne, les filles. C'est pas tout à fait centré, mon histoire, mais bon. Hop. Et voilà, c'est un œillet que je voulais dire, hein. C'était pas une attache parisienne, mais vous avez compris. J'adore tes lives, ça donne plein d'idées et d'envie, merci beaucoup. Je progresse quotidiennement grâce à tes conseils, tu expliques vraiment bien. Oh, Sabrina, merci. Tu n'imagines pas à quel point tu me fais du bien. Aujourd'hui, je te suis très reconnaissante, à toi comme à vous, toutes présentes aujourd'hui, vraiment merci, merci. Comment je vais le passer cette fois? Allez, je vais faire comme là. Toc. Mais effectivement, je rajoute un ruban pour la fille, pour l'accrocher. Mais si vous voulez faire comme Cécilia vous l'a conseillé, c'est-à-dire de le mettre sur une table avec une petite bougie au milieu, et ça peut être super sympa. Voilà, comme disait Camille ce matin pendant le live d'Émilie. Oui, elle a, ou sinon des chocolats, c'est quand même drôlement plus digeste.
De vous supporter, tu rigoles, Marie-France, je ne vous supporte pas. Au contraire, c'est du bonheur, vous me redonnez la pêche à chaque fois. Toujours, toujours de la pêche. Vous me faites toujours du bien. Même si des fois où je suis fatiguée ou j'ai moins la patate, à chaque fois que je suis en live avec vous, bah, en fait, c'est un bon moment. Et vous me redonnez un coup de boost pour le reste de l'après-midi. Donc c'est parfait. On se fait toutes du bien. C'est pas ça la belle vie? Franchement, sincèrement, je trouve que eh bien, être ensemble pendant les lives, c'est une petite parenthèse. On apprend des choses et on échange entre nous et on se soutient et on se fait du bien. Et c'est en ça que les lives sont incroyables. C'est vraiment chouette. Oui, ça fait penser à de l'origami, t'as raison, clairement. Clairement. Et voilà, une petite couronne toute simple. Avec ce papier, il n'y a pas 50 milliards de choses à rajouter puisqu'il est tellement beau. Balade au jardin, il est encore dispo, donc tardez pas trop. C'est ça. Oui, le petit bonheur de la semaine, ça peut être ça, Marie-France. T'as exactement raison. Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Et du coup, voilà. Si vous gardez à l'esprit que pour faire cette couronne, ou la grande, ou peu importe, en tout cas ce projet-là, il vous faut 8 rectangles dont la largeur fait la moitié de la longueur. Et après, il vous suffit de suivre mon petit pliage, et après, c'est tout facile. Voilà, et vous pouvez envisager de faire plein de tailles différentes. Selon que vous voulez l'accrocher sur une porte ou le mettre sur une table, ou les deux à la fois, ou l'un ou l'autre, peu importe en fait. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Et je vous rappelle que ce papier-là, le doré, il y a une feuille de doré et une feuille d'argenté qui est déjà autocollante, ce qui fait que c'est super facile à utiliser. Là, mes lettres sont très, très fines et du coup, à poser, c'est vraiment super simple. Ce que j'aime dans le replay, la petite touche de 10 secondes car je suis gauchère, c'est très compliqué de gérer ma gauche et ma droite. Oh, ah ouais Martine, ça je comprends, ça doit être super dur, pour moi ça serait impossible. Tu peux nous rechanter ta chanson, tu vas repartir en plus en forme. Tu parles de quoi? De Mary Poppins? Le mot qui est impossible à dire. Supercalifragilisticexpialidocious. Petite chipie. Avec plaisir, Sandrine. J'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir réaliser ce projet à votre tour. J'espère que vous allez les partager et me les montrer, me les montrer, me les montrer. Parce que ça me fait plaisir aussi de voir voilà, ce que j'ai réussi à vous transmettre et de découvrir vos versions. Donc partagez-les sur vos profils. En tout cas, tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait le hashtag ou le dièse, comme vous voulez, Harmony Scrap en un seul morceau. Comme ça, normalement, si tout va bien, sauf si ça fait comme pour les lives, eh bien, Facebook est censé me notifier pour que je puisse voir, eh bien, comment dirais-je, vos créations. Sabrina, en fait, faut par exemple les publier sur votre profil. Et dans votre texte en fait de publication, vous mettez le hashtag Harmony Scrap en un seul morceau, donc avec le Y. Et du coup, je reçois normalement, si tout va bien, une notification de Facebook comme quoi vous m'avez nommé, cité, notifié. Et du coup, bah, ça me permet de découvrir votre création. Et puis sinon, en commentaire sous ce live après. Voilà, tout simplement. Je reviens vers vous. Bon, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous allez refaire plein de jolies couronnes. C'est chouette, hein? Attendez, hop. Merci Sylvie, merci Chantal. Attendez, hop. Parce que vous savez que je suis en décalé. Voilà. Du coup, la petite coucou. Là, on voit que un œil. Et là, potentiellement. S'il n'y a pas mes cheveux qui m'agacent, potentiellement vous pouvez voir mes deux yeux. Bon, voilà. J'ai 10 ans.
J'ai 10 ans et je fais l'andouille. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir avoir plein d'idées pour vos préparatifs de Noël. N'hésitez pas, c'est les fins de série en ce moment. Donc il y a plein de promos sur la boutique et il reste encore des papiers pour Noël. Donc si vous avez des projets à faire, n'hésitez pas à les commander très rapidement avant que les stocks soient vides, puisqu'ils se vident très très vite et il n'y aura potentiellement pas de réassort. Ne soyez pas déçus. La grande est trop belle. Merci Yasmina, je vous avais pas vue. J'espère que vous avez passé un bon moment lors de ce live. N'hésitez pas. Vous allez pouvoir avoir accès à la fiche technique où vous aurez les mesures et j'ai fait ce que j'ai pu pour vous expliquer le schéma. Voilà, en vous expliquant le principe du papier, avec des photos aussi, avec la liste des produits que j'aurai utilisés. Donc d'ici quelques minutes, vous aurez sur les réseaux sociaux et aussi dans ma newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à ma newsletter, il suffit de m'envoyer un message privé sur les réseaux sociaux avec votre adresse mail pour que je puisse vous inclure dans cette liste de diffusion. Et comme ça, eh bien, vous recevez les projets, les liens pour recevoir par exemple la fiche technique. Vous êtes informé le vendredi du futur live de la semaine prochaine que j'adore, qui est là. Là. Mais je ne vous en dirai pas plus, je le cache. Voilà, vous en avez déjà trop vu. Voilà, donc si vous voulez recevoir cette newsletter, envoyez-moi votre adresse mail en message privé que je puisse vous ajouter dans cette liste de diffusion. Comme ça, vous serez informé de toutes mes nouveautés. Hey, coucou Maya d'Italie! Merci Christine, merci à toutes et à tous d'avoir été présentes, de m'avoir soutenue aujourd'hui, de m'avoir fait autant de bien, d'avoir partagé autant, j'ai reçu votre amour et votre bienveillance et ça fait beaucoup 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 de bien. Prenez bien soin de vous, plein d'inspirations arrivent encore cette semaine et puis vous découvrirez vendredi donc le projet du prochain live. En attendant, je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous. Profitez au maximum, faites-vous plaisir et pas de crise de foie. Hein. Allez, bisous tout le monde, ciao ciao!